En 2002, cette patiente a bénéficié d'une intervention au niveau de l'utérus. Mais ce qui devait rester une cicatrice discrète s'est transformé au fil du temps en une imposante boursouflure, une cicatrice kéloïde. La cicatrice kéloïde, c'est une cicatrice qui, au lieu de s'aplanir, continue à grossir. Et vous voyez, d'un petit point, c'est devenu une masse qui continue à gonfler, puis si on la laisse aller, elle va devenir le double, le triple. Et surtout, ça récidive. Les récidives, cette patiente y est habituée. C'est la troisième fois qu'elle se fait opérer pour traiter cette cicatrice. Alors aujourd'hui, le chirurgien va utiliser une nouvelle technique. La première étape de l'intervention consiste à enlever la boursouflure à l'aide d'un scalpel. Ça, c'est l'épiderme marron. Et en dessous, vous avez le derme qui est blanc ici. Et en fait, la kéloïde, c'est un emballement, non pas de l'épiderme, mais du derme. Les causes des kéloïdes sont mystérieuses. On sait qu'il y a des facteurs prédisposants. On a la génétique, les peaux foncées, le caractère inflammatoire, puis la tension sur la cicatrice également. En seulement quelques minutes, la boursouflure est détachée. Voilà la kéloïde enlevée. Vous voyez, il y a quelques poils. Alors, le poil en lui-même est un facteur qui favorise la kéloïde quand il est engainé dans la peau. Pour éviter une nouvelle récidive, merci. Le chirurgien va cette fois-ci placer sur la plaie une peau synthétique. Le derme artificiel, c'est ce petit carré brun clair. C'est du collagène, c'est ce qui fait le derme. Ce derme artificiel est découpé sur mesure pour épouser la forme de la plaie. Le chirurgien doit maintenant le suturer, une étape particulièrement délicate pour assurer une cicatrisation optimale. On fait très attention, même lorsqu'on suture, parce que si je suture en piquant ici sur la peau, sur le point du fil, il va se produire une kéloïde. Vous voyez, ça c'est un peu de kéloïde qui reste, et mes points, je vais les faire dedans, pour ne rien aggraver du tout. Ce derme artificiel va jouer un rôle fondamental. Il va en quelque sorte guider le processus de cicatrisation. C'est un derme artificiel, donc c'est du collagène. Et la kéloïde, c'est une maladie du collagène. Les fibroblastes qui fabriquent le collagène en fabriquent trop. On espère, en mettant une plaque de collagène organisée, que ça va donner l'exemple aux fibroblastes pour qu'ils ne fabriquent pas un collagène désorganisé. Les fils de suture ne sont pas coupés, car ils seront indispensables à la dernière étape de l'intervention. Pour que la greffe prenne bien, il faut qu'elle colle à la graisse. Et là, on va coudre un pansement par-dessus qui va le comprimer. Le creux que vous voyez là, avec le temps, de toute façon, va remonter. Grâce au fil laissé en place, le pansement, appelé bourdonnet, est suturé au-dessus du derme artificiel. Ce pansement sera retiré dans moins d'une semaine. Ensuite, on va attendre que l'épiderme progresse pour recouvrir la peau artificielle. Il faudra environ 2 mois. Mais le résultat de cette chirurgie n'est pas garanti pour autant. La patiente, qui rentrera chez elle dès le lendemain, sera surveillée pendant encore de nombreux mois pour déceler toute récidive.